Compatriotes Haïti Média on yo, la police arrive fait un gros coup de filet dans zone métropolitaine là, côté yo arrivé fouqué 6 gangs qui étaient participés, nan touye 3 policiers qui étaient affectés dans sous-commissariat Portail Saint-Joseph là. Pour le moment, nèg sa yo nan men la police et yon l'autre bord, greffier qui était accompagné juge Mathieu Chanlat dans affaire dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là, greffier La Fortune li mouri dans l'hôpital général jusqu'à présent. En pile moun ap questionné circonstance là moi arrête brancher bral bon plus détail pendant m'a mando en signe d'encouragement pour capable abonner avec channel YouTube Haïti Média on là l'a fait ça ou prêter plus près information et en même temps ou capable faciliter l'autre monde découvrir maman Pemba. Bonjour mon soir amis Haïti Média on yo, comment nous y est-ce que nous en forme, est-ce que n'a kembi, c'est toujours même love là, même plaisir à chaque fois ou d'accord fait clic ça pour coûter voir information dans campagne gang yo t'a mené pour attaquer commissariat dans Port-au-Prince là. Ça la cause en pile policier nous yo victime. Ça yo fizye, ça yo boule et même ça qui disparaît jusqu'à présent, yo pa fouti joine trace yo. Malgré m'din ça, institution policière ça, li travail kanyan kanyan li vraiment lan nan exercice fonction, mais faut m'di nou, ça pa vle di pou autant y a dormi parce que bay kou toujours oublié, mais quand ta pou mak la, ou pa fouti pa son jil. PNH la li arrive mette main nan pat kasav 6 voyou qui te participé nan campagne boule ou bien saisi sous-commissariat commissariat dans Port-au-Prince là. Non 6 gang sa yo, c'est Jerry Derilis, c'est Idaniel Julma, c'est Joël Saint-Fleur, Junior Paul, gain tout Clairville Davidson, Edouard lui donne. C'est non 6 gang sa yo, 6 atou fait sa yo que la police arrive mette main dans pas de cassave. Moi j'aime pas bon menti, depuis soufi ginek sa yo va comprendre couleur chien couleur de ma boule. Et me dit ça à clair, moi même me senti me content. Moi réjoui à chaque fois la police font coup de filet comme ça pour ces gens de moun sa yo y a pimpé nan prison et m'pire men tout oui lèm dans des échanges de tir et puis yo tombé lè sa m konnen ou konprann nou plus on ti jan soulagé zanmi Haïti Média on yo fòm di nou sa ke yo reproché nèg sa yo comme quoi non seulement c'est dans nan cas d'enlèvement et ensuite assassinat 3 policiers sa yo qui té affecté nan Portail nan sous commissariat Portail Saint-Joseph là non policiers sa yo c'est Jean-François Gay de Peterson Deville, Gen Silver, Jean-Pierre. C'est non 3 policiers ça jusqu'à présent là que bandi exam ou même dans moment yo tal fait mais sous commissariat si là, yo touyé policier ça et monsieur certain que dans jour qui passé ou là, té gon en cérémonie de funérailles qui té yo té fait dans école nationale de police là de manière symbolique non tout policier si là yo qui té tombé dans sous commissariat Portail Saint-Joseph là. Mais c'est bagay yo drôle, bagay yo en pile et me dit ça même pas jam bouki répéter. À chaque fois yon jeune femme yon jeune garçon c'est façon ça li choisi orienter tête li pour venir yon devenir de la société pas gen l'autre calme pas gen l'autre solution soit yon fou qu'il pimpel nan pénitencier ou bien nek sa li même la fait matière ça aller en bataille et me dit ça à clair ou pas ka empêcher oiseau à voler pas de balzel mais faut me dit tout ou capable empêcher li venir faire niche sous tête tout bagay yo vraiment grave bagay yo vraiment en pile et m'a dit ça ti monsieur yo police nou yo bon travail et m'a dit à chaque fois nous pour détoir comme ça, li vraiment important, intéressant les ça, li sont calmant pour pays d'Haïti, pour haïtiens qui vivent dans pays ya paisiblement. Zami Haïti Média on yo puisque m'te déjà annoncé nous ça dès le début, m'te fait nous comprendre greffier qui accompagne juge Mathieu Chanlat cap instruit des dossiers assassinat ancien président Jovenel Moïse là, monsieur Hans La Fortune, monsieur lui-même, li joindre l'amol sous Matissan et li mouri dans une condition jusqu'à présent qui ont trouvé qui pas fin trop clair net, li pas fin clair cou clair rose. Et bien zami Haïti Média on yo, et selon information qui me joigne concernant monsieur La Fortune, yo fait me comprendre il était asthmatique et en même temps tout de suite avant la mort, yo fait me comprendre il était dans une discussion tête pour tête avec juge Mathieu Chanlat sous même affaire dossier assassinat ancien président. M'pas même vle dérailler pour me dire une dispute, non m'obligé de discussion malgré me dit ça m'pas connait au fond qui ça tape discuter comme ça. C'est vrai, yo fait me comprendre c'est sous dossier assassinat, mais pour qui ça ou comment c'est sous dossier ça, yo t'es obligé à parler qui t'a cause mouche ça lui-même li asthmatique et selon association griffia yo fait comprendre non ko cadavre là yo t'a assemblé li gen mak bal sou li bon pa konnen mais faut me dire nous et Né Martin qui c'est président association griffia li fait comprendre
yo bon il faut que et nèg yo rele Bedford Claude là li ta ouvri ou bien gen tan lancé yon enquête pour ta konnen vrai cause l'amour si là mais monsieur fait comprendre à zami Haiti Media Onyo que greffé ça li même la fortune li mouri dans l'hôpital général par manque de soins mais c'est Mabdine ça clair nous fait commencer dans yon dossier pour journée aujourd'hui pour gen t'entendre greffé qui t'ai accompagné juge Mathieu Chanlat là li mouri et le moment de temps mis enquête là puisque c'est avec Mathieu Chanlat li t'a discuté t'es gen gros discussion qui t'a fait tout suite après les joindre dans moi l'autre des enquêtes là c'est Mathieu Chanlat je vais vous poser question là oui en tout cas monsieur Mabdine ça c'est tête à tête pour nous faire là pour nous voir comment nous capable bail résultat dans ça gain pour avec assassinat ancien président moi dit ça déjà j'ai international là li braqué sur nous si nous fait commencer là et puis autant nous gain jeune greffe qui était accompagné gain en caba dans façon jusqu'à présent yo une beaucoup connaît vraie raison l'amour ça yo dit beaucoup clair mes amis Haiti Media on yo Mabdine ça mettez tête nous sous épaule parce que m'bata remen ou comprendre pendant n'a met problème sous problème il pas jamais bay une solution vrai parce que tout autant ou là ou peuple problème qui ça ka vinn bay la vinn bay tête chargée la vinn bay TV20 et moi même pas ta remen ça nous ta remen au moins dans 3 mois là pour nous ta commencer ouais quelques moun là comprendre vrai géo qui t'ai participé dans assassinat ancien président Jovenel Moïse là li vraiment important intéressant pendant doit écouter voir information pour qu'on est avec Moinga Haiti qui gagne deux produits gagne outil gagne bande gagne outil à les mêmes qui sont pour mettre avec environ 8 produits organiques qui permettent d'allonger tolpinou de 3 à 5 cm ou passer pour mettre ça régulièrement bien massage tolpinou ou si vous avez un résultat dans moins que 2 mois et en même temps gagne bande qui c'est un comprimé qui fait avec 13 plantes naturelles qui permettent d'augmenter libido et en même temps freiner sec concrépin ça qui porte non bec à terre prend 3 comprimés chaque matin dans 7 premiers jours ou si vous avez gaya suite avec chipé ou comprendre ou sur programme ici ou te compte bail sous carbone relé dans 37 55 46 06 pour capable venir plus détail pour capable placer commande nous amis Haiti Media on yo l'autre bagage qui me va parler avec nous là qui vraiment important moi sur internet là qui ont information qui a circulé pour ta faire quoi yo arrêter c'est Laura moi m'a dit ça en tant que voir information anti net entrepreneur là moi pour ko joindre information ça li pour ko arriver réellement dans cuisine moi parce que pour m'ta arriver dans cuisine c'est l'elle vérifier c'est l'elle exactly fiable et bien amis Haiti Media on yo moi pour ko parler de ça qui t'aime faire tes recherches pas toujours qui t'aime chercher mais ça important intéressant pendant m'a parler de c'est Laura qui c'est une nan prophète là dans pays d'Haïti qui nous connaît qui fait la une déjà mais faut me dire nos amis Haiti Media on yo li important pour me faire tes approche dans affaire prophète ça gagne un ami channel Haiti Media on qui pote non Jessica Sifra c'est une dame qui vit dans pays Allemagne si même pas faire défaut li écrit sous affaire ouais c'est Sylvanie a fait comprendre c'est lui même qui Eve c'est même qui t'es maman Jésus pas existé faut l'écrire bi parle vous comprendre dame l'a fait comprendre pendant la vie dans pays ici là li gagne à peu près 19 l'année depuis le quitter Haïti beaucoup j'aime entrer même une fois maman moui c'est là j'en voyer pour enterrer maman avait dit nous tous son moun là pas dans affaire avec pays d'Haïti même mes amis Haïti Media on yo pendant dame ça font couche en parlant de Jessica Sifra li tande yon voix même genre avec ça Sylvanie a expliqué yo voix fait le comprendre c'est lui même qui pral reine voix fait le comprendre tout c'est lui même qui Eve là c'est lui même qui te maman Jésus mon chien pas bon menti dame était tellement content quand des nouvelles ça malgré pour tout capable percer si voix si voix bon Dieu ou bien si son mauvais esprit et bien dame là li fait comprendre li victime des esprits ça et l'elle était tande Paul ça yo pour comprendre li content li prend promotion dans Christ est-ce que nous là li était al parler causer ici là avec yon juge dans pays Allemagne les juge a fin tande madame là dit oh compte madame ça jeune détail ça yo li était prend Jessica li pimpel dans yon centre côté yo traité moun fou dame ça fait 9 mois dans centre là y a bal médicament et faut pendant temps ça li perdit toute ça le procédé dans pays moun yo en parlant de Jessica Sifra mais dame là li écrit pour dire mes amis tant prie parle avec moun yo pour moi pour dire bagay pour faire ça il faut que nous très prudent on va venir prêcher nous l'évangile non mais n'a songe qui me te dit nous Matthieu 24 li parle ça il te fait comprendre tout non prophète ça ouais qui vini là et pas étonné tout les prophètes ça dit un bagay ou elle fait réellement d'ailleurs entendez et Sylvanie Ramsey non seulement il tellement senti le gain reine li gain temps gain comprendre li s'il reine il faut que gain un roi qui est-ce qui roi lui dit c'est bon Dieu mes amis j'aime connait bon Dieu fait petit bagarre là et ba relation sexuelle là m'a même quoi te gain une chance goûter s'il te goûter mon chien pas bon menti il t'a mettre un duplice là dans le tellement bon amis Haiti Media on yo tendez bien ça m'a dit nous là li important intéressant Jessica Sifra li parle avec même puisqu'il fait me comprendre li c'est une nan moun qui était victime de mauvais esprit ça qui était parlé avec lui et Julien joine avec ça il te prend 9 mois yo fermer l'on côté pour moun qui fou mais pas bon ici là nous dame là faire comprendre c'est lui qui était Eve là il te maman Jésus doit l'écrire parle mais jusqu'à présent aucun
aucune autorité pas bon ici pas fait cas de lui et dame là qui t'en fait web renni c'est-à-dire lui même qui pral prend ton bon pays d'Haïti et me dit ça souvent yo ka di on bagala et puis ouais li accompli ami Haïti Media on yo n'a vive non pays qui vraiment spécial et faut me dit nous m'a rappelé nous ça Sylvanie Ramsey il pas dans pays d'Haïti c'est l'elle fin recevoir message si là nan men esprit a et puis sortant de ya li pimpe Haïti li entre Haïti avec toute famille et Jessica Sifra ça lui même tout li te gen même mission ça l'elle fin tande voir ça pour te entrer dans pays d'Haïti faut me dit nous c'est un ami et fidèle channel Haïti Media on qui parle avec nous même dit comme ça m pa ka kembe message a comme ça puisque lui même tout li te gen temps parler avec et petit tonton comprendre monsieur cap animer mission blocus là c'est là Sylvanie plus passer li parler avec en pile l'autre média pas bon ici même dit quand un monde cap suivre nous pas capable parler causer ça pas bon c'est important intéressant amis Haïti Media on yo pour me te faire nous joindre détail ça information ça que Jessica Sifra lui même l'était partagé avec il dit jusqu'à présent esprit ça li still toujours à parler dans oreille mais li pas quoi parce qu'il fait comprendre imaginez nous combien Eve qui t'a gagné pour même esprit ça fait comprendre c'est lui même qui Eve là li maman Jésus combien maman pour Jésus était possible même bagaille ça li tombé tout dans oreille Sylvanie Ramsey bagaille vraiment droit bagaille vraiment en pile il fait comprendre il faut être très prudent dans affaire Sylvanie c'est Laura mais c'est qui gagne n'importe quatre madame qui fait comprendre c'est lui même qui pral roi pays tout monde ça aux amis Haïti Media on yo m'pa di n'pa quoi non mais faut que nous prudent garder avant nous quoi garder bien observer avant ça ou dial percer dans tympan bagaille vraiment drôle bagaille vraiment en pile m'te trouver li nécessaire li était important pour moi même te parler pour te partager ça avec nous et me penser en pile dans nous n'a pas édifié pas oublier application li pa gè l'autre nom li pote nous abdil c'est une application qui fait spécialement pour vous même qui nous a fait business ou même tout qui gon rêve vous comprendre mon compagne clientèle pas gè problème fin down notre application ça met sur smartphone nous et puis sortant de yan dans 2-3 mouvements produit là même li pral vendre un de pas d'app faut ta dire ou pas dou t'es dans diap et me ça principe la clair avec application qui pote nous abdil là avec zap ou pas prend vie tap et pas oublier tout ou ta amène nous bon visibilité yon promotion nan pour aujourd'hui là nan produit là contactez nous sur Haïti Media on à commercial@gmail.com pour un petit grab diamond m'a bolove là et en vérité ou pas capable satisfait ou mes travail m'a fait à ou voulez accompagner mon fond coup d'œil en bas écran pendant ou suivre et image ça là ou regarder ou prendre gros bouton ton channel Haïti Media on nan ou après cash app ou après Zelle ou après PayPal c'est une façon capable aider nous et ensuite ou capable mander avec nos amis pour abonner avec gros bouton ton channel qui côté non Haïti Media on conseil des ministres peut-être que vous besoin garder administrativement sur le plan organisationnel qui ça expliqué que en dépit du fait que président Jovenel Moïse pas là encore mais Renal Lubiris capable brandi titre secrétaire général conseil des ministres réponse alors par contre Renal Lubiris brandi secrétaire général conseil des ministres mais en réalité et fonction secrétaire général et conseil des ministres secrétaire général conseil des ministres c'est au cadre d'un palais national et qui mandali ou bien mandali existence pour ne pas dépendre de l'existence du président et fonction secrétaire général et conseil des ministres différents par exemple de fonction non conseiller ou bien fonction directeur cabinet président qui lié au même avec avec existence président en fait avec moment président occupé fonction et présidentielle là et c'est un cadre qui occupe de fonctionnement en fait régulier et organisation conseil des ministres là qui c'est et réunion et ensemble de membres conseil là donc gouvernement qui préside et par président de la République là et en cas d'absence du président de la République de manière exceptionnelle présidé par le premier ministre. Qui est-ce qui est capable d'émettre secrétaire général conseil des ministres de fonction? Généralement et autorité qui a d'émettre et au monde de fonction c'est autorité de nomination. Donc le secrétaire général du conseil des ministres est nommé par le président de la République. Donc l'autorité qui a été fait en fonction de tout c'est le président de la République. Ok, ça veut dire que dans l'organigramme et d'Acadie, fonctionnement palais national, qui côté secrétaire général conseil des ministres situé? Il y a trois beaux cadres dans le palais. Il y a un rapport hiérarchique entre eux, il y a un rapport fonctionnel des secrétaires général président là, c'est directeur cabinet et président, et puis c'est secrétaire général conseil des ministres là. Ils sont tous rapportés directement à président. Donc c'est tout ça me dit qu'il y a un rapport fonctionnel, il n'y a pas de rapport hiérarchique. Ok, j'espère que l'auditoire l'a très bien saisi et précision ça au Renal Lubiris. Je dis là, avec absence président Jovenel Moïse dans le palais national, qui ça fonctionne au palais national lié? Fonctionnement palais national, alors palais national, bon, c'est un statiste qui est employé, il y a des gens qui ont
Palais a dit pas d'existence, ça va dépendre de la présence de la République. Donc, Palais a continué et gérer le quotidien, par exemple, le personnel qui travaille, le personnel qui sécurise les bâtiments, et le personnel qui s'occupe en fait des surfaces techniques, etc. Et il y a un aspect ça. Et Palais National, toujours déjà, il y a un cadre qui participe à l'organisation et fonctionnement du Conseil des ministres, là, notamment, il y a un avocat, il y a un juriste qui a une unité juridique là, ou il y a un staff. Secrétariat général là, donc qui eux-mêmes toujours en fonction, qui préparent arrêté, qui préparent et le conseil des ministres avec une fois que du jour là arrêté, qui eux-mêmes assurent que le conseil là est tout à fait en place pour le conseil la fête et puis qui assurent que pour ces verbaux conseil des ministres est élaboré, archivé, signé, archivé normalement. Mais et le président Bala évidemment et fonctionnement palais vient au ralenti parce que le palais s'occupe essentiellement. Est-ce que ça veut dire que un ensemble de conseillers, président Jovenel Moïse te gagné, gen moun qui était dans cabinet li, moun sa yo depuis après assassinat, yo pas mette bien dans palais? Non, moun sa pas mette bien dans palais. M'pa konnen peut-être pas comment moun qui va chercher on va aller dans bureau éventuellement même pas pour aller dans palais. Mais moi ma personnel et le m'te conseiller président Matéli et puis monsieur Privet monter président. M'pa jamais mette bien dans palais un jour et bon le président Privet invité nous, c'est ça bien invité nous comme membre. Et candidat Jovenel Moïse, on va utiliser le bâtiment pour moi qui parlait, même moi pour qu'on laisse passer. Bon, parce que j'étais conseiller président, il me dit, il pensait que le présentement dans le palais était lié à présent président, c'est président parle encore, donc il n'y a rien à dire dans le palais, même si le bâtiment était même accès dans le palais. Moins connu que Premier ministre Ariel Henry, de concert avec Ndakadi, structure secrétariat Palais National. Là. C'est vrai, il y a chaque bon côté par eux. Tu as essayé de regarder qui est capable de récupérer matériel qui était dans la main ancien responsable au niveau du Palais National, des gens qui étaient dans l'environnement président Jovenel Moïse. Tu as essayé de récupérer. Est-ce que selon l'information qu'on a gagné, les gens répondent déjà? Est-ce que les gens remettent équipement avec matériel qui était dans la main? Je n'ai pas gagné toute information et sous ça spécifiquement par rapport avec les bons fonctionnement. Mais ça m'a dit que sous Jovenel Moïse, tu as gagné très peu de conseillers. Effectivement, tu as gagné, et en fait, tu as gagné 4 ou 5 conseillers, tu as gagné machines dans le monde. Et il y a deux personnes qui remettent machines machine avant même notre référence avec la désordre. Et l'autre, je n'ai pas laissé en connaître même parce que il y a des matériels dans le monde. L'administration m'a dit qu'il y a des matériels, il n'y a pas de matériels. Je dis officiellement, Premier ministre Ariel Henry, ligue qui ça comme rentrer dans le palais national? Bon, officiellement, Premier ministre n'a pas d'attente de rentrer dans le palais national. Et par contre, étant donné que le local conseil des ministres, le local régulier conseil des ministres, c'est dans le palais lié, donc à ce moment-là, Premier ministre n'a pas d'attente qu'à aller palais pour lui et organiser le conseil des ministres. On ne peut pas participer dans le conseil des ministres. Mais, la loi permet tout que le Premier ministre fasse le conseil des ministres, n'importe quel côté, y compris dans la résidence officielle du Premier ministre. Donc il n'y a pas d'obligation pour lui aller dans le palais, mais s'il veut faire un conseil des ministres. Et dans le palais, et légalement, bien sûr, il n'y a pas empêché le faire. Depuis le Ariel Henry prend contrôle primature, combien de fois il fait et des réunions ou bien conseil des ministres dans le palais? Et nous, depuis le Premier ministre, ils sont seuls. Le conseil des ministres qui est fait, même pas quand il est fait, effectivement. Mais pour parler, moi, je vais parler, même pas pour le palais. Pas pour aller officiellement pour faire réunion, peut-être qu'il parler pour rencontrer quelqu'un. Ou même comme secrétaire général du Conseil des ministres, là, depuis Ariel Henry Premier ministre, vous participez avec une première réunion? Et non, je n'ai pas participé dans aucune réunion avec le Premier ministre Ariel Henry, nous participons dans pile conférence call. C'est notre nom dynamique par rapport au COVID qui va bien faire réunion présidentielle, qui est fait depuis le président. Là. Nous participons dans tout le processus de nomination pour le ministre, évidemment, et le président qui s'est ensemble avec moi. Et d'ailleurs, il y a tellement de réunions présidentielles qui fait, alors pour la petite histoire, le président n'a pas su y signer et l'ampliation du Premier ministre, parce qu'à ce moment-là, notre travail par visioconférence, c'est que le président a demandé qu'il faut faire l'amination du Premier ministre Ariel Henry, de notre président du Sénat, pas sur place, et de n'avoir pas de problème, et c'est lui, voyez la moniteur, parce que la signature du président est prescanée, voyez la moniteur sorti, et de le voyez ensemble avec moi, ma CNI, et puis, et malheureusement, et le drame n'a pas été changé avec le président. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? Physiquement, le document, c'est pour nous occuper, nous étions en ville par les correspondants, ça ne pas rencontré. Est-ce que ça veut dire que l'ampliation Ariel Henry, jusqu'à présent, n'a pas parlé là, il n'y a pas de jambes de chance signé? Non, l'ampliation n'existe pas puisque le président n'a pas eu le temps de la signer.
mais il pas posé aucun problème pratique pour Ariel Henry revendiquer droit que rien comme BM non. Bon, en pile fois mon revendiquer droit à partir de chaque sortie dans moniteur. Mais de manière régulière, au moment de l'installation, généralement, ils vont demander ampliation. Ampliation, on a contenu là-dedans le document du président signé, plus et moniteur, et que vous remettez intéressé dans une chemise. Donc, généralement, même dans le cabinet d'Ariel Henry, pas d'ampliation. Donc, dans cette idée, nous l'obtenons. Alternative, peut-être que vous remettez seulement et moniteur, et puis vous mettez ampliation avec signature président. Est-ce que ça veut dire de comprendre que vous torche à la procédure dans le cas ça? Oui, non, c'est sûr que la procédure n'a pas pu être respectée, mais notamment une situation exceptionnelle, tout côté que Daniel Monde a attendu de disparaître son président Jean Aigle assassiné. Donc du coup, et l'ampliation n'a pas n'existé pas. Donc bon, dans le monde qui vient on plus la question de droit qui connaît, ça veut dire leur situation, côté que vous entamez et on accord, et puis il y en a passé au monde, parfois on a des problèmes. Mais et pour stabilité politique qu'il y a pour les besoins et on entend parce que je fais mes yeux sur ça. Et pour le ministre là est installé normalement et en fonction. Qui s'est arrivé, Renal Luberis, si le Premier ministre a décidé, au lieu de faire Conseil des ministres, qui est capable d'exiger présence ou comme secrétaire général Conseil des ministres, même si ce n'est pas en visioconférence, et qu'il décide de faire Conseil de gouvernement, c'est-à-dire quand il est réuni avec le gouvernement, à ce moment-là, il écarte un ensemble de monde qui au même, dont ou même, qui était très close avec le président Jovenel Moïse, pour prendre des décisions. Qui ont à comprendre comme ça ou même. Eh bien, la loi baille chaque organe et limite et dit bah et ça au café, ça au pas café. Par exemple, le premier ministre, il doit prendre des actes administratifs. Et il doit pour lui, par exemple, évoquer fonctionnaires et suivant évidemment la loi D. Il doit procéder à dénomination de la fonction publique là, suivant la loi D. Conseil de gouvernement, par exemple, PACA et pour arrêter pour convoquer le peuple en République. Conseil du gouvernement, on pas des décisions, qu'il n'y a pas de prendre des décisions, c'est des décisions qui prend le Conseil des ministres. Par exemple, pour le Premier ministre, il faut nommer un directeur général dans le Conseil du gouvernement, par exemple. Donc on pas des limitations pour ça, que la loi baille et qui permettent que Conseil, ou qui empêche le Conseil du gouvernement, et fait tout ça et vous l'avez fait. Ok. Maintenant, on a dit que Ariel Henry a monté des scènes, il a rencontré avec différents secteurs, il a rencontré avec des gens dans la partie politique, il est allé dans des institutions, il fait des échanges. Tant que toute démarche ça, conseil, on a dit, ou même comme secrétaire général, conseil des ministres, ou pas touché par ça. Non, pas touché par question ça. Généralement, à moins qu'on ait un rapport spécifique avec les chefs de gouvernement, les chefs d'État, généralement, le Conseil des ministres est consulté pour l'organisation du Conseil des ministres, pour organisation, en fait, de questions qui vont lever de compétences des Conseils des ministres, même à des questions juridiques ou des questions d'ordre constitutionnel, ou alors sur l'organisation, en fait, en tant que tel du Conseil des ministres. Maintenant, c'est pas l'obligation, comme ça n'a aucune obligation pour le cas consulter moins sur questions et réunions politiques à faire, et sous accord de la FCC, etc. Il n'y a pas d'obligation pour le faire. Donc il n'y a rien de normal que le Premier ministre fasse son travail en tant que Premier ministre sans parler au secrétaire général du Conseil des ministres. Ok. Maintenant, vous devez quand même son tour d'horizon avec vous, Renan Luberis, sous et question ça, aspect administratif, et puis pour nous dégager ça, parce que à un certain moment, le ministre dans le gouvernement sortant qui était confirmé même que le président, effectivement, pas de guetta signé et ampliation pour Ariel Henry, qui fait que lui-même, il était estimé que Ariel Henry pas Premier ministre de plein droit. Évidemment, nous avons un contexte particulier, par un parlement, et le président pas de chance de guetta et installer Ariel Henry. Bref, réalité nous fait que nous toujours regarder qui vient là et aménager et question sans que pas forcément ni légal ni constitutionnel voire institutionnel. Maintenant, à regarder événement lui-même et Renal Luberis et il y a un peu de monde qui très surpris comme ça tout des monde qui estimait que il rend compte que président Jovenel Moïse était presque largué dans l'espace de savane. Pour qui ça? Parce que l'organe des réalités sécurité, c'est pas évident. L'autant des monde qui a parlé, l'autant des monde par exemple qui a arrêté dans le cadre assassinat, et l'autant des témoignages des monde qui étaient là, responsables dans la sécurité, des policiers, etc. On senti que le président pas sécurisé. Et on va aborder des détails tout à l'heure pour rendre compte que le président pas sécurisé. Maintenant, question pas maintenant pour nous essayer de regarder qui est capable. Marcel, qui l'a où t'es senti que le président t'es extrêmement en danger et que menace t'es extrêmement évidente sur sécurité? Après, on va aller nous dire qui plus près de nous. Après, et 7 février, tentative coup d'État et Petit Bois,
et j'ai trouvé que toute disposition pas de prendre. Par exemple, moi-même, j'ai arrêté mon nom, petit bois, j'ai arrêté au palais. Par exemple, je pensais que mon paquet, d'un point de vue stratégique, moi, c'était mon paquet d'erreurs qui était faite, qui me déballait ça avec des mon proche président, mais avec le président lui-même. Et à ce moment-là, j'ai gagné de gros points d'interrogation et sous et sécurité président et sous Jean et sécurité organisée. Mais j'ai gagné des explications pour montrer que c'était voulu que j'ai décidé d'arrêter mon nom et l'autre pour arrêter de la suivre et toute évolution. Et parce que si mon nom commençait à être préparatif depuis en 2020, depuis novembre 2020, plus ou moins trois présidents au courant à partir de ce moment-là. Et pour que ça ait quitté, on était juste un point, il faut quitter. Donc j'ai compris que c'était voulu et pour te dire que c'était la question politique, donc j'étais mon nom allé au bout de leur logique. Et maintenant, il y a des préoccupations qu'on exprime, mais ça depuis longtemps, depuis notre campagne là, par exemple, en fait, à la fin, le président était en côté de Delma 83, en tout cas, quelque part, et dans le côté de Delma, et puis il y a un incident qui est passé la Cali, il a déménagé, une fois ça m'a coûté voler, il était entre les gontiers, il était blessé, il est déménagé, puis il a arrêté, et côté de l'été, évidemment, et cette maison n'est pas appropriée pour le président, et il y a un peu l'occasion de ça, même parce que tu as l'esprit de sécurité, c'est juste au monde, on profane, ça parle, parce que moi-même, je dis ça, oui, mais en plus, pas seulement parce que son profane, non. Et d'abord, il y a des gens qui étaient préposés à la sécurité du président, qui étaient attirés l'attention sur ça pendant plusieurs fois. Il y a des rapports qui fait même qui dit non, espace n'est pas approprié. Et pour leur procédé d'arrestation, c'est de monde. Est-ce que tu connais des gens qui dit que il n'y a pas de gens qui connaissent tout espace la carrière président? Et c'est une raison fait que les gens n'y a pas de gain voie de secours pour sortir. Et ils ont même expliqué que pas de gagner alternative parce que pas de gens faire simulation si jamais t'as une attaque qui fait sous le président qui vient sorti. Donc c'est une surprise totale que t'es. En dépit de rapport, il dit que le président t'es très têtu, pas de gain qu'un suivi qui t'est fait par rapport à ça. Ou t'es au courant de ça? Pas au courant de pas de gain d'évacuation, bien issue de secours, pas au courant de ça. Parce qu'il y avait des bâtons d'entrée et dans l'espace côté chambre président et dans le témoin et dans l'espace soir et salle côté bonne de réunion, dans l'autre salle balai, côté famille bonne réunion. Et donc, bâtons est pour chambre. Même parce que les gens qui sont professionnels, pas qu'à faire ça comme excuse. Parce que Valérie ne m'a souvent dit qu'il conduit une machine pour, et moi, je pense que la machine n'a pas les freins. Et je ne vais pas prendre mal à quand même, pour dire que la machine n'a pas les freins, tout ça, je vais m'en aller. Je vais assurer que Valérie ne m'a, que ce soit nous faire freiner la machine, ou bien nous camper la machine, ou bien conduire pour contrôler. L'âme d'accord avec vous. Mais sauf que nous connaissons la réalité à tout quand même, et qui n'a pas ça lui-même, il dit bon, en tout cas moi-même, c'est quoi, bon, ma BC fait, job bon, ma fait, mon chef a parlé, j'ai envie de la prendre la main. Faut n'est pas faire ça parce que quand il y a des points, c'est n'est que trouver que j'ai besoin de convaincre soit président ou de mon administration, il y a mon nom d'une côté, il y a une côté pour ma personnel, il y a besoin que je vois pas le bâtiment, mon chef n'a pas la présidente pour nous, on aime pas faire ça, et généralement, et on aime pas le côté pour dire ça, et c'est malin, c'est malin, votre. Donc, par mon nez, les gens ont soulevé point ça, et vous souvenez là avec moi, donc on ne peut pas donner. Ah, et pourtant, un pile responsable dans sécurité président que vous interrogez, il y aura allé ça de temps en temps, il y aura allé, il y aura dit ça, il y aura fait rapport, etc. Suivi par Dieu, en fait. Il y a des métaux en privé, par exemple, même quand on interroge, pour interrogation, pas seulement le président Jean Tabassé, il explique que il y a une réquisition qui a été faite, qui n'a pas été honoré. Il y a des bagages, il faut qu'il y ait des choses, etc. Moi, je ne comprends pas, mais quand on a des bagages, on a demandé de parler du président. Pour ça, je ne sais pas, donc, je ne sais pas, c'est une question fondamentale qui concerne la sécurité du président de la République. Par exemple, dans ma pose, qui sont mais comme si le président n'a pas de bon panique, boum, le président n'a pas de côté, il a entré, il a quitté, il a tant de temps, en attendant de l'organiser, sans même pas qu'il y ait accès à lui. Ce ne sont pas des questions que l'insécurité. Vous constatez non, le président n'a pas de panique. Donc, ce sont des défaillances graves. Mes collègues, moi, et Guichard, qui disent qu'il faut qu'on enquête administrative sur défaillance, en fait, dans la chaîne administrative, là. Donc, je pense que l'enquête, là, effectivement, est importante pour que chacun assume ses responsabilités, parce que, un président, et au-delà que c'est un homme, son être humain, mais c'est un président. Et je pense que, bon traitement, à un certain moment, il y a une tentative qui était faite pour faire son route dans la zone pour permettre que y ait un espace d'évacuation comme plan B. Et l'idée font tous les par rapport à mon zone n'a pas d'accord, etc. Bref, et ça devine tomber à l'eau. Oui, mais vous connaissez, parfois le problème, ça y est tellement de problèmes et dans le pays que parfois mon dit concentré sur ça, il va concentrer sur le type de problème. Et souvent, il y a des gens qui étaient construits sur l'information, qui étaient construits dans un espace qui n'est pas construit.
mais quand même, il est construit. Or, généralement, l'on a construit dans la commune de ville là, et vous commencez à poser deux, trois, blocs, la mairie vient autour. Et donc, probablement, mon d'ailleurs, c'est mon permis de construire. Donc, le monde fait une construction à la vérité, la dame de travail, plus que Kaiser, non seulement pour sécurité, mon sécurité président, et n'y pas à propos de mon voilà, carré là, et puis on est déloger mon bon, ça a créé un scandale politique, on va retourner sur décision de quitter mon vérité là. Tout à fait. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est plus simple que le président déménage. Oui, et d'autant que je te demande ça, et en pile. Information arrivée, joindre la presse, Renal Lubéris, que. Président te gagne un bon temps, il pas descendre dans palais. Qui soit qu'a confirmé pour nous, qui dernière fois président est descendre dans palais physiquement. Est-ce que son délégation EAD entrée par exemple réunion ça c'est dans palais des fêtes. Okay. Et après ça président est venu rencontrer et vraiment le PCI au monde 4 élaboré projet en constitution et nouvelle constitution militaire rencontré dans palais. Donc les passés pour terminer ça et pour COVID-19 dans palais, dont le directeur du cabinet du président qui a gagné COVID-19. Donc on croit que pas pour des raisons sanitaires qui étaient contentes de descendre, mais descendre après. Donc parce que moi-même dans deux réunions de studio, j'ai participé là avec le président dans le palais. Ok, mais là nous sommes au mois de juin de toute façon. Hein? Oui, oui, on est au mois de juin. Ok, maintenant. Le mois de juin était même mois ça, que le décès a fait un corona, c'est le même mois ça, il était habité peut-être en début juin, il y a un corona, et puis il est établi après. Il y a un processus de désinfection par l'air, etc. Il y a un paquet de monde qui va aller pour éviter, pour attraper le COVID. Ok, mais est-ce que Mbakone est suffisamment proche de Jovenel Moïse pour qu'il soit capable de partager avec vous ma lèse par rapport à la question de sécurité? Est-ce qu'à un certain moment, il a abordé des questions avec vous? Non, il pas généralement question sécurité et moi-même à côté le combat à vie sur sécurité vite, je pensais bon bagage qui nécessite ça, mais c'est pas question président puisque c'était question politique avec c'est bon question politique, sur que la puissance pour les mêmes sur ça, mais pas pour les questions sécurité, parce que moi, exemple de là, c'est pas domaine pas barré marqué dans ta barre. Le dernier temps, on te dit que le président était très anxieux et anxiété ça a été atteint très sérieusement, si bien que son monde qui était contre Kimbé des mounes dans le téléphone très tard. Bah qu'on est jusqu'à qu'il est au même lit qu'on parle avec ou la nuit, mais il y a des gens qui me parlent avec eux, le président qu'on échange avec eux, 1h, 2h, 3h du matin, etc. Est-ce que nous t'es pensé à ça? Peut-être que capable de tracasser le président qui t'a fait que Lévin en nous dit relativement insomniaque? Sous habitude de travailler avec le président, ça va pas attention, c'est le loi à 2h du matin. Parce que le président, chaque travail, son dossier, la carrière est destiné que si tellement il y a besoin de parler avec nous, il y a tellement de dossier à avancer la vélo que vous allez lire. Donc, c'est qu'on a lire de tout ce qu'on a depuis la campagne là. Donc, ça va m'interpeller moi-même personnellement si le président est à 2h du matin. Et d'ailleurs, il fait ça souvent en fonction de la nature du dossier, la traité. Et par contre, le président qui a gagné, nous, on a un président comme on est humain, et il y a un traité des dossiers différents, il y a un plus à l'aise pour un dossier de nature X et pour l'autre monde de tel autre dossier. Mais pas de sentiment, pas de ouais, et bon anxiété spécifique là, il n'y a pas de bon changement de comportement. Par exemple, il joue à Fassine là, peut-être que nous t'es allé et peut-être vers 18h ou peut-être bien avant. D'ailleurs, et je parle avec mon ami qui dit que le président Rélim, on dit madame le président, et les amis Rélim battent, les présidents disent, mais si le président avec lui, ils sont allés, vous êtes dans le avec lui, ils sont pas la même dame. Sur ces derniers conversations qui est le président, je vous sais peut-être vers 18h. Donc, il y a un sentiment que c'est un problème spécifique. Ok. Et qui dernière conversation sont jouées avec le président Jovenel Moïse avant de mourir? Et dernière conversation, tout ça, c'est des questions et de la réformation du gouvernement. C'est un bon groupe politique qui est en opposition, qui est habitué à la veille, et puis dans la mise en place du gouvernement Ariel là, et il était continué à discuter avec eux, il était comme il y en a deux mois proches, il était que. Et continuer et parler avec Nagui pour nous faire qui j'en n'ai pas une bonne participation active dans le gouvernement Ariel. C'est discussion ça aussi. Ok. Entre ça qu'a dit dans les médias et ça qui est vrai qu'on y a, je vais regarder avec vous, Renal Lubéris, moi compte en pile sur transparence, ou réflexe de transparence. Ou. Et grand ensemble de monde, leur parler dans les médias par rapport à Jovenel Moïse, vous avez l'impression que c'est guêpe qui a mangé. Ok. Et. Parallèlement, il y a des gens qui croient que Mounsayo a même dit ça. Il y a des gens qui ont rencontré avec le président Katimini, soit qu'on a téléphoné avec lui, soit qu'on a la Kaili, etc. Est-ce que nation capable au courant de ensemble de monde qui toujours montré que pas aucune possibilité pour eux même parler avec le président Jovenel Moïse, pourtant qui est en opposition mais qui continue avec lui? Ou en mesure de nation ça?
Et oui, ça ne m'a pas cité nos mondes parce que je ne sais pas la faire ni par rapport au président. Mais ça m'a confirmé aussi qu'il y a deux, trois mondes qui sont en opposition radicale. Le président va pas laver, pas ni plus. Le président va laver quasiment tout le monde. Il y a des gens qui rencontrent le président de la CAEL, il y a des gens qui rencontrent le président de la CAEL, l'autre ami, il y a des gens qui sont rencontrés le président de la CAEL, il y en a parlé. Il n'y a pas de discussion, donc il peut faire ça à l'autre monde. Il y a des gens qui pensaient que si vous rencontrez le président la journée, ça n'a pas de suspicion, vous rencontrez la nuit. Mais le président, comme c'est un monde qui parle en une nuit, donc il n'y a pas un problème pour rencontrer le monde, quel que soit type de problème. Ma propre problème pour vous, Louis, vous dites que si vous avez 3 par 4, ça veut dire tout le monde qui a frappé, même vraiment des gens qui sont extrêmement net, qui ont 3 par 4. Parce qu'il y a 3 par 4. Et si vous n'avez rencontré le président physiquement, vous parlez dans le téléphone. Ok, ok. Maintenant, c'est vrai que politiquement, mon message, je dois avouer, j'en dis là, j'ai même compris bien tout, effectivement. C'est pour ça qu'il y a un qui a l'OL le soir, qui a rencontré le Kazami, ma propre aujourd'hui, il y a un qui vient de la Kaili le soir, et il y a un, mais il faut parler avec elle dans le téléphone de toute façon. Absolument, absolument. Ok. Maintenant, le monté gouvernement, en général, il y a des gens qui sont en opposition, et au fait, tout le monde connaît que vous êtes ministre, tout le monde connaît que vous mettez le monde. Mais publiquement, vous toujours dit non, vous toujours dit que ça n'a pas existé. Et est-ce que sont pratiques même, les rapports de gouvernement? Sont pratiques liées, et généralement, peut-être qu'il faut que les amis nous fassent plus attention de ça. Généralement, les prisonniers de des positions qu'on gagne, ou bien des discours qu'on gagne. Parce que si vous finissez que, alors qu'il y a un cas pour parler avec Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, c'est le démissionner au parallèle, etc. Et puis, et qu'on y a la parole difficile pour expliquer pour qu'ils ne pas participer dans le gouvernement, etc. Donc, on est prisonnier dans des discours extrêmes, et alors que il n'y a pas d'extrémisme en réalité dans le secteur politique, c'est juste qu'en fait, des mondes qui viennent des positions qui viennent endurcir. Bon, et ça fait que monter le monde tout par rapport à la question des charges, monter de hommes politiques de premier plan, qui vont participer dans le gouvernement pour ça, ou même pour mettre des noyaux, parce que vous parlez des problèmes de décharge, il y a des problèmes dans la situation particulière, un candidat soit à la présidence ou bien au Sénat ou bien pour l'autre poste, et vous prenez la question des charges, vous mettez des noms de train, donc vous pouvez faire des bâtiments. Il y a de tout, et si vous avez par rapport à le type de discours que vous avez, tout, il y a pas arrêté en disant, pas trop sérieux, donc vous préférez le monde incognito. Donc ça fait souvent, et parfois, il y a des gens qui ont tout le monde pour le tout. Ça fait souvent, et puis la fin de l'âme, quand tel monde, même, on a encore un petit baril, c'est tellement bien. Mais son pratique, lui, ça fait seulement avec Jovenel Moïse, parce que il fait avec le président, tout côté qui dit des mondes en opposition, ça va être moins, ça va éviter qu'on essaie de bailler. Ok, il y a une information qui dit que ça qu'on arrive que avant le bail, il y a des gens qui sont en opposition, qui dit, et après ça, même bon, garanti. Depuis 11 jours, nous avons osé dire que c'est moi qui ai été ma campe et ma sœur, je suis à toute famille, pas de bail comme ça. C'est sûr, si nous avons un pour mon garantie de discrétion, sinon, et pas qu'à des transactions, entre guillemets. Donc, c'est sûr, je ne vais pas dire exactement le discours, ça, ou c'est comme ça, ou dire, même qu'on est que des gens qui m'ont dit garantie que mon bail là pour ne pas révéler les gens en public, que c'est parce que sinon, pas penser pour besoin d'une opposition, encore pas le guider dans la radio. Donc, il est obligé, mon sens, c'est pour image, même si ouais, il n'a pas pensé pour image à l'autre monde. Donc, du coup, je ne parlais que, il y a dit que, il doit chercher un job, ou bien, il dit, il va aller journalement, il va aller en cachal. Donc, ils ont fait une garantie en ce sens. Alors, comme je vous dis, il y a un grand ensemble de monde, très certainement, dans l'auditoire là, qui, après, c'était pour qui toi, mon nita kaye là, mes amis, pas j'aime pas la présidente. Monsieur, c'est un bon exercice qu'on s'est fait là, téléphone après, les bah, pour ça, qui est-ce toi, mon sort à kaye, etc. Y'a qu'à prendre chance, mettez des notes, ah, ma prochaine chance, il est facile, le mettez, etc. Bref, ok, c'est ton digression, c'est ton digression. Qu'on est à nous tourner dans l'interview. Président Jovenel Moïse assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, à qui le Renal Lubéris au courant de ça? Et mon courant de ça, peut-être environ 2 heures du matin. Et il y a un gars qui a pris le téléphone, et puis il y a un policier qui a frappé le porte-main. Et généralement, je vois de ça. Et en fait, il y a un frappé le porte-main, il y a la suppression, il y a un peu de réel, il y a un téléphone, il y a un porte-là. Et puis, depuis là, il y a un papier à tout, parce que les gens, si vous connaissez un frappé, que le mot est porte-là, ils aiment que l'Afrique aille vous dire. Même pas prendre ça tellement comme c'est alarmant, attaquer les présidents, et on l'a frappé, c'est fait attaquer déjà. Si on prend un combat, on s'est monté, on prend un téléphone, même ou quoi. Premier monde brûlé, mon premier brûlé, et si je ne peux pas passer par rien les premières fois, deuxième monde brûlé, brûlé et Dimitri, que je ne peux pas joindre, et puis malgré les deux conseillers, que je bonne, et puis et qui confirmait moi, et effectivement, il y a attaque là. Donc, vous confirmez moi que. Deux heures du matin, vous êtes à la rue, vous avez mouru. Vous avez mouru, oui. Et donc, c'est juste, je viens confirmer effectivement que le président a mouru, c'est vers, et 3 heures du matin. Même une petite civile qui confirme moi ça. Dans le sens que je me dis que je suis mon cher président et pas bon même. Je savais que ça va bon même. Je dis mon cher président presque mort. Je dis président mort ou bien presque mort. Je dis mon cher président mort. Bon, bah, comme ça.
donc qui est sous dit monsieur là qui va information la caisse c'est Ah OK d'accord. Je voilà. Oui. OK. Et maintenant à nous font un exercice pratique Renal Luberis. Et au niveau de CPJ au niveau de monde que arrêté ou gain information que bail par exemple bon chiffre que bail gain 232 USP. OK. USP a gain 232 monde là-dedans. Juste ça, tu as gain 13 monde seulement qui est disponible. Tu as gain 6 qui étaient resté dans palais. Tu as gain 7 qui était dans résidence officielle la CAI et président gagner une mauvaise utilisation de d'accord équipe de sécurité président et ça pas de matière attention non regardez quantité monde ça par exemple sous payroll et palais national et puis président par exemple drop et qui disponible pour lui non parce que c'est généralement problème pour des raisons de sécurité ou même qui va dans chaîne sécurité là pour aller comprendre problème monde qui est dans mon personnellement pas fait ça. OK. Et deuxièmement, bah j'ai une connaissance de et quand c'est monde qui déployait soit le président ou bien OK, on va voir comment ça. Nous avons une idée plus ou moins parce que bon, il faut qu'on déconseille un président, qu'on organise des placements, qu'on ait plus ou moins pour les monde qui avait son président. Même pas gagner un détail pour le président. OK. Maintenant, est-ce qu'on connaît que là c'est peut-être une légèreté assez grave, sinon très grave. Est-ce qu'on connaît que le opposé responsable sécurité par les nationaux, que ce soit et civil, que ce soit Dimitri Rav, que ce soit l'autre camarade Katim, etc. Est-ce qu'on connaît que monsieur, tu connais que la CAI président, je souhaite gagner 31 mounes, selon ça, on connaît. Mais est-ce qu'on connaît le compte en réalité, c'est 24 qui étaient là, il y a 7 qui partent là véritablement. Deuxième information, est-ce qu'on connaît que avant attaque la fête là, c'est-à-dire vers minuit et demi, et chef d'équipe USPA et chef d'équipe USGPN, tous les deux, pas sous place. Et puis, coïncidence, ils viennent retourner vers 2h30. Et là, vous posez la question, pour qui ça fait que vous partez là? Alors que en ken supérieur il y a pas de connu table déplacé, il dit c'était pour convenance personnelle. Bon, votre réaction sur ça? C'est grave. C'est très grave. Mais l'offre des pour mode de fonctionnement et la police là. Vous faites du comportement policier dans la gagne. Donc quand on sait que c'est voulu. Mais madame tout ça m'gabonon, chef équipe USPA qui était absent là ça monsieur et son policier monsieur les gentils Hubert, chef équipe USGPN qui était absent dans le moment action et puis le tourner l'action, il fait un policier, Conrad Bastien. On avance. Donc, parfois, on a des laissés aller dans la police. Là. Par exemple, on a passé un coup et puis un policier, on a un paquet de circulation et un policier qui a mal dans le téléphone, par exemple. Oui. Qui mettait policier évidemment en danger et puis fait le travail à la fête. Alors, moi-même, pour le policier qui est ensemble avec nous, on débattait et pour aller en détail que nous avons chauffé parce que nous sommes allés, c'est un bas de personnes. Donc, nous avons un dysfonctionnement et effectivement que on a un roi qui pose souvent avec le président parce que le policier a l'état le premier jour, dans cette équipe, il va plus encore. On a les policiers qui ont fait un détachement, regardez-nous, il y a un peu de tout côté, etc. La suivi, puis après deux semaines, on est là, donc il est relaxé, comme si on n'est pas les deux semaines encore. Sans réalité, je pense qu'il faut que la police a tenu compte de ça, pour que monsieur tenu compte de ça, pour corriger le tir. Mais tout, évidemment, pénalement, je pense qu'il y a des questions profondes que la justice se posait poser monsieur Sahel pour comprendre pour qu'il s'est débattu. Effectivement, c'est son négligence. Et de déplacer les gens qu'on a mis sur celle parce que l'autre camarade de la CV pour nous, qu'elle est pour nous, ou bien est-ce que je suis déplacé parce que j'ai vendu déplacé dans le. Ah mon cher, je pas pour avoir victime là-dedans, parce que quelqu'un qui fait ça, sous des poids long poste. Et vous juste venir, bah, on a qu'un bébé, on a qu'un bébé, on a réglé l'activité pas. Bon, et si on y a besoin pour. Et comme de fait, tu as besoin pour. Voilà qu'on parle à un moment ça. Ok, ça cher. Et si vous êtes arrivé, juste à le président Mourin, bon, garantie, c'est pas pour une fois ça fait. Je suis sûr que c'est un bagage qui planifie, qui fait plusieurs fois. Ça n'a pas étonné. On va regarder généralement qui gens, des agents fonctionnent. Ça n'a pas étonné du tout que vous faites ça. Et pas fait ça parce que vous avez bon plan, mais vous faites ça parce qu'en fait, ils ont des hôtels et que vous pensez que tout le bagage est possible. Ok, qu'on est à Bamgade par rapport à tempérament et président qu'on fonctionnait avec lui, par rapport à réalité que les gens qui étaient en sécurité le tap vivent. Gagné et deux mouns principalement qui ont arrêté, monsieur ça a vraiment parlé, il a fait des dénonciations. Est-ce que ça a dit au vrai? Pas oublier le moment même bah, information, moins dit à partir de ça que yo dit. Ok, Joseph Vincent Diem Solage, nek sa yo, yo parle tan kou pet pet maï. Et une information que vous avez qui est extrêmement sensible, yo dit que responsable sécurité générale là, monsieur te gagné $80,000 américains en main pour jouer ça, pour te arroser tout agent qui était là
de service pour te permettre que tu fermes les yeux pour quitter action en fait. C'est ça, yo dit. Comment bien? Moi, je reprends exactement ça de monsieur yo dit dans des positions que vous fait. Ok? Mais ta question, me le pose, qui comportement président te gagne avec mon qui était l'environnement, notamment sécurité, qui t'a fait ou trahir comme ça? Et évidemment, par exemple, il y a ce comportement que le président a gagné, qui a justifié que le monde qui l'a pour base sécurité est trahi, parce que monsieur, il y a un bon engagement vis-à-vis de la nation, un engagement vis-à-vis de la République, et il y a un bon engagement pour protéger le président, et on est le bon engagement pour protéger le président, et c'est un gagné pour le président victime, pour que même il y ait une situation pour être capable, non seulement empêcher le président victime, mais c'est un bon victime, c'est un bon victime avant le président, c'est un possible là. Donc, par exemple, aucun comportement que le président a gagné avec le monde qui avec lui, il a justifié. Et monsieur ont tel comportement. Évidemment, par rapport à l'information, ça ou bien là, c'est l'autre point qui était vraiment très attaqué, c'est le, et puis dans les assassins, c'est que il était contre le président de match et football. Absolument. Le président, comme si tout le président a fait la carrière, il joue. Exact. Il a dit qui est pour monsieur Sayo, qui a fait connaître, qui a fait connaître, qui a fait connaître, etc. Et puis après, il y a l'autre monde qui dit que, ah, ça semblait qu'il y ait un agent USD 1000 dollars pour être capable. Et vu sa présidente fait. Et qui c'est très grave, ça c'est arrivé, son bagage qui est très grave, par exemple, ils ont acheté une société à participer en fait dans l'assassinat président, même si c'est de manière indirecte. Donc, parfois, on connaît, moi je dis, est-ce que les gens me posent la même question, on pose dans la main, et le président, pas qu'on est géré, parce que dans la République, je vous dis, la République d'Haïti, elles sont réalité. C'est que sous game pour police, sous game qui est attaché à zéro, ou pas mal, ou comme, on va équilibrer les frustrations. Oui, oui, oui. Donc, nous frustrés. Et puis, s'entendait à ces déblousailles. Donc, il y a un qui plaît en pile que, par exemple, il y a sorti, il y a un petit il y a des gens qui sont dans la délégation. On dit, par exemple, président sorti avec des ministres, des directeurs généraux. Est-ce qu'on a un policier qui est avec le président qui a expliqué ministres ou bien directeur des problèmes qui ont duré, etc. Ça n'a pas joué. Et mon chef, il faut regarder ce qu'il a fait pour moi. Il y a 3 mois, il y a un petit 4 là. Il y a ceci, il y a cela. Et il y a même des gens qui ont la caille président. Il leur arrivé des gens qui ont sollicité. Il dit, mon cher, regardez qui ont géré nous là. Chef là, etc. Ou d'accord, ou environnement est malsain quand même. Environnement est malsain, mais il participe de l'ambiance sociale générale, côté que tout le monde trouvait légitime pour moi. Oui, m'a dit cité à Mouba, illégal net, légalisé net. Bon monde qui est proche et appareil de sécurité, président matériel, et puis qui dit que c'est ambassadeur cité, côté de Pamela White. Oui, oui, ambassadeur américaine. Et puis qui dit que l'ambassadeur a sorti et n'a plus président et. Lui est demandé pour, on m'a accompagné pour sortir, et puis on m'a dit, c'est n'importe ça. Parce que il y a un agent USP qui a accosté sous la voie pour demander le visa. Oui, il a fait ça, il a fait ça. Moi-même qui t'ai fait interview avec des ambassadeurs et dans Vision 2000, automatiquement, on a demandé à son ambassadeur, il vient bien bonheur, il a tout passeport. Vous pensez ambassadeur à marcher à consom. Regardez, je suis un peu de vous, vous faites ça pour l'ambassadeur canadien, ou là, qui vient et puis vous venez. Même les gens qui sont très proches, vous venez, moi je ne sais pas faire ça, non, mais tout le monde a le visa pour moi. Donc, c'est un équipement de job là. Nègre là qu'on est que l'estime que train de ville, par exemple, il a fait 40 000 routes, 50 000 routes, lui qu'on est train de ville, pas permettre de vivre avec 50 000 routes. Il n'a pas reçu ce job là. Il prend quand même, parce que le pensée que autour de ça, il a cabrassé pour être capable de gagner l'argent pour lui. Oui, ça c'est ça, le nominal là. Mais revenu en lui-même, il compte le brasser. Il compte ça déjà. C'est ça. Ouais. Donc tout nègre qui n'a entourage président comme sécurité, en pile là, on va garder tout qui est une exception. En pile là, d'ailleurs, il n'a pas compté sous salaire, il compte sous des valets. Il compte sous. Et qu'est-ce que vous avez la mission pour vous appeler des places en pile et en province, etc., pour qu'on fasse un bon support. Et puis, vous comptez tout sur ma mendicité. Il vient paraître en attitude normale, même quoi que les responsables ne peuvent plus gagner aucune influence sur ça, qui va empêcher M. Sayo. Ou non, situation qui vient dans ces gens et militaires, même bon expérience personnelle, mais c'est que M. a pas de même ça. On va aller et lancer un travail pour le président, on travaille sur l'aéroport. Et puis, il y a un conseil de monde qui est monté sur l'aéroport, nous n'avons pas de problème. Et puis moi je dis bon, et pour éviter des besoins, bon, mon force de sécurité, moi je dis monsieur, vous va et pour moi je suis dans le palais, et accompagnez-moi. Et puis l'homme arrivé, policier comme ça m'a fait toujours assurer de manger, de manger. Donc, et je me dis monsieur, achetez manger pour l'autre nègre, l'autre nègre qui n'a pas fait, il va nous rapport. Et puis je dis que le nègre ne pas manger. Bon, fait toute réunion, on fait, et après je me dis monsieur, il va nous manger, et je dis monsieur, il va manger, non. Je me dis, il va nous manger, et dis, non, nous ne pas manger, chef. Ok, pas bon. Ah bon? Je me suis dit, monsieur, pas là, je me suis dit, non, 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 je me suis d
Et par respect. Même si elle est relâchée. Donc, on va avoir un bon coup. Donc, on nous a l'état d'esprit général là, qui fait que ça va être même que des gens qui entourent le président pour battre les gens sécuritaires, parce que quel que soit l'arrivée, il y a toujours cette. Mais non, c'est ça, Renal Lubéry, c'est le fait que. Président Jovenel Moïse t'est utilisé presque même staff sécurité Michel Martelly t'est quitté. OK. Donc on attendait ça en pile et il dit Martelly c'est ton a quitté servi. Il dit président Jovenel Moïse son est courette, son est qui chiche et cetera. Donc ou plus senti que ou plus acquis à la cause de Martelly si Martelly t'arrive en côté et ça explique qu'on paquet qui besoin détachement tout automatiquement que c'est président Jovenel Moïse, il dit ah mon cher monsieur pas servi et cetera. Et dans cas ça, est-ce que à ce moment ça t'est connu dans l'oreille tout, tu connais ça tout? Oui, exactement ça. Mais président Martelly avec président Jovenel Moïse pas dirigé dans la même époque. Et président et Jovenel Moïse pas gagné ni même philosophie ni même accès avec les mêmes ressources. Par exemple, philosophie président Jovenel Moïse. S'il gagne 100 000 gouttes, pour le coup, bah, on seul monde 100 000 gouttes là, il connaît pas bailler 4 mois. Parce que la dit qu'il y a 4 mois qui mangeait. Mais il y a un cas qui s'est mis que le président se posait 100 000 gouttes là, qui démêlait et l'autre n'est pas jeune. Donc c'est une philosophie qui vient valeur libre, qui vient parce que l'estime que, et je dis à la vente machin, ils vont toujours dire ça pour mon. Tel machin, on va gagner du commerce dans cette vie. Comment on s'est commencé à vous? Et nous disons, comment ça se commence et les 3-4 000 gouttes, sous 20 000 gouttes, échanger et commencer, mais donc beaucoup commerce. Donc dans tête, au lieu de faire 100 000 gouttes, il faut que les 5, 10 machines et 10 000 gouttes, ils pensaient que c'est plus utile que c'est ça qui nous aussi. Donc il y en a qui n'ont pas nécessairement comprendre ça. Ok. Maintenant, dans le cas ça, par exemple, ou quand je joue un ensemble de monde qui peut-être a posé question, parce que c'est comprendre. Il y a des gens qui sont d'accord que, même si tu as une négligence dans l'environnement et immédiat président, mais l'on considère, à la tête de 15 ans, il y a d'ailleurs qui a une bonne information. Est-ce qu'on est plein pour assassiner Jovenel Moïse là? C'était entre 14 et 18 juin. Et la question, soit avant la Turquie, soit le saut de Turquie. C'est juste un petit problème technique qu'on a fait à avion. Et selon témoignage que mon yo arrêté yo bail entre 14 et 18 juin c'est le ça monsieur Degen pour te mourir. OK, mais si on bagaille comme ça arrivé et planifié que gen moun qui était au courant, qui ça explique que service intelligence pays a pas au courant de ça? Pays a juste dit en vérité pas gen service d'intelligence et gen paquet mec qui fait et ça on connaît pour empêcher gen service d'intelligence. Gen des ressources qui alloué à un renseignement qui éclaté dans les appareils d'État. On a gagné dans la primature, on a gagné dans le ministère de la Justice, on a gagné dans l'intérieur, on a gagné dans le palais, etc. Mais pas gagné des structures, en fait, hiérarchisées et coordonnées qui occupent de problèmes de questions de renseignement dans le pays. C'est pour raison ça, c'est que vous représentez, pour on décrit à travers le Conseil des ministres, pour créer l'Agence nationale en fait, d'intelligence qui t'appelle et systématiser l'information et puis et regrouper un ensemble de ressources qui disparaissent et qui viennent inefficaces. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait pression, ils ont utilisé des blancs pour faire pression, etc. Et c'est qu'il y a un pays qui a été renforcé sous structure de renseignement létal pour l'autre pays, t'as dit, vas-y, on est avec toi. Non, jamais, justement. Et l'autre pays n'a pas jamais dit que nous cherchons supposé mettre un bon service de renseignement. C'est juste qu'on va dire, l'autre pays n'a pas jamais dit que c'est ça. À moins que nous allions, nous devons faire ça ensemble pour combattre l'autre pays ou pour combattre. On va avoir un problème particulier, mais sinon, qu'est-ce que ce pays va pouvoir faire ça? Donc, chaque condition est là. Les conditions réunies d'un point de vue du renseignement pour assassiner le président Jovenel Moïse, pour assassiner l'autre chef d'État, pour assassiner les ministres, pour assassiner n'importe qui dans le pays. Comment nous sommes? La question de M. Doval. M. Doval était tellement secteur. Donc pour moi-même, c'est un motif d'inquiétude et que nous avons rentré dans le 25 pour que le président ait assassiné une personnalité donc M. Doval et qu'il soit en personne d'après. Donc, ce n'est pas seulement le M. Moïse, M. Doval, nous avons arrivé à assassiner n'importe qui dans le pays et que l'État a abandonné parce que ça a une structure et bien coordonnée, hiérarchisée, qui est capable de rassembler ensemble des informations, ensemble des mouvements qui sont faits sur le territoire pour analyser et prendre des décisions à propos. Et moi, nous faisons comme pays, comme peuple, c'est que nous confondons la structure de renseignement que les Duvaliers ont en place là à Duvalier. Les Duvaliers, allez, on fait des victimes pour assurer que l'État toujours doute de capacité ça. Nous devons jouer aller comme tout le monde, tout le Duvalier. Donc, on a littéralement cassé l'État. Donc aujourd'hui, on paye les conséquences. Donc, c'est le journal qui mourit comme président, comme homme, comme une tête d'une, prochaine tête d'une, etc. Le pays l'a perdu. Mais, et l'autre cas comme ça,
a toujours répété si nous pas consommer. Oui, mais et le BBC à qui ça intelligence a bien servi. Si il y a des gens qui viennent là facilement, par exemple, on prend Joseph Badio qui loue un caï en face qu'à président et on prend qui intervenu à ça et on dit il a payé depuis 6 mois, gain qu'il a depuis 3 mois, monsieur gain contrôle toute bagaille. Il a même fait simulation, il explique qu'il fait simulation. Sous le président. Il a dit, vous montez sous tête, vous regardez par exemple, si qui côté président pour camper, des bagages comme ça. Et vous faites tout bagage ça net net. Le vous faire opération, vous venez avec une échelle. Vous avez une échelle, oui, il a bien fait opération, une échelle, etc. Mais ça, vous avez le virus quand même. Et pour que personne nous ait ani, nous ait. Gagné justement. Oui, mais. Hein? Non, pas gagné. Allez, le test a publié, mais bien le test a publié pour que nous montions le général, pour que nous mettions en place. Donc, les politiciens ici mélangés avec des gens de la communauté nationale, mais ils ont l'impression que le président pas marché, pas mettre Annie sous pied. Alors, je pense qu'il y a un plus beau texte que le président. Je pense qu'il y a deux textes que le président prend à travers le conseil des ministres et qui est absolument important. Alors, c'est trois beaux textes. C'est le texte qui concerne le code pénal, le code de procédure pénale, et puis le texte soignant. Ou mais quand même un problème. Écoute, depuis mars gagné on mise en place cap fait pour assassiner le président mars 2021 comme si formellement nèg a rentré ici avion privé a rentré et rencontre a fait ca une série de monde, rencontre a fait ca une série de personnalités depuis mars. Oui, yo planifié pour tuer le président en juin et comme si un ken soutien dans l'état bah ça va jamais arriver sur yo. C'est un fonctionnement total. Exactement, et dire que bien sûr vous êtes gagné en enquête et administrative pour déterminer en fait les différentes responsabilités dans chaque niveau. Parce que nous connaissons un bon système de formation qui est au niveau des CPJ, qui est lié avec des systèmes et qui est dans l'aéroport. Nous connaissons des structures qui sont censées, même dans le cas de défaillance de système d'intelligence, qui sont censées capables d'avoir une alerte. Pour parler de salaire, il y a des qui ont accès à des fonds d'intelligence. Donc, il faut qu'il y ait une enquête administrative sérieuse qui fait pour déterminer les différents niveaux de responsabilité. Pas que pénalement ou responsable, mais au moins que gagner pour reconnaître que les fautes administratives qui avaient été commises par nous. Mm-hmm. Parce que ça arrive, c'est que même dans le niveau supervision, et grand petit problème technique. Parce que on a dit que les nègres qui étaient placés, par exemple, la caille président Jovenel Moïse, bon, on a dit tout à l'heure, un bon matin, et puis on est allé. Martin Moïse dit qu'en général, il y a entre 30 et 50. J'ai l'impression que c'est ça, le penser que oui, dans la cour, alors que voilà que, il n'y a pas de arriver en vingtaine. Donc, même bon exemple simple. Moi-même qui ai l'entreprise Rinal Libéris, il prend courant, le DH bail courant, par exemple, dans la zone Pamna, il prend courant à minuit. Mais le fait que si mes clients dans espace là, est-ce que tu connais que à minuit et demi, m'obliger relé minuit et demi, pourquoi je connais relé? Parce que mon qui préposé pour passer génératrice là, leur prend courant, un dit le font petit coup de tête. Et puis pour raison pour l'autre monsieur des font dormi et cetera, il pas passer génératrice là. Donc faut me connait. Ça dit que c'est forme de supervision pas non ça est. Donc quelque part, si tu connais des monde qui te connait le superviser monsieur, ou pas prendre plaisir par exemple pour juste pas là et puis je dis ah chacun veut pour moi et cetera. Même j'ai un conseil de machine police ou qu'on passe ou ouais machine police et vous pensez que des monde là bon on va rentrer avec ça honnête. Attendez. Nos amis qui ont problème sur Delma. Gagne un petit terreur qui campait en face ambassade Canada, ouais li. Ça même n'a pas problème panne caoutchouc. Lui qui était machine arrivé bon petit terreur là pour le cas au moins assurer la sécurité pour le cas arranger panne. Quand même c'est devant petit terreur ça pas personne là-dedans. Il est du matin. Pas une personne d'identité ça non. Pas une personne policière d'identité ça vrai. On se pose un problème là parce que tout entrepreneur et qu'on ne sache pas faire micro management en Haïti, à quoi ça marche. Et là c'est pas même chaîne et supervision pour la guidance de nous. Même en tant que propriétaire, il faut assurer de ça. Oui, mais pas comme ça non, dans nos pays. Les places dans nos pays. Mais malheureusement, pas conseil, donc pas que dossier président obligé à faire micro management là derrière. Absolument. Micro management il fait. Moi-même c'est pour le monde qui dénonce le président qui a fait micro management. Mais pourtant que le président connaît que le conseil de projet le gagne. Si il gagne mal, il n'est pas intervenu lui-même directement pour le mandat, tel monde s'en défait, etc. Rien n'est pas fait. Donc c'est un bon problème grave en fait. Et en tant que peuple, nous venons une incapacité de. Oui, mais dans le cas, le président est coupable de rue ou bien responsable parce que monsieur élimine l'institution que tu as supposé faire travailler, puisque lui-même, lui ça l'a fait pas de job, il va pour le faire ça. Go institution place. C'est l'institution où monsieur mettez bâton en roule pour faire travailler là. Il n'est pas libre pour le faire. Monsieur pas capable de place institution. Institution fonctionne avec moi. Ah oui, monsieur c'est un bon marché institution article 136 constitution que monsieur dégage les jeunes formules pour nous qui capable de faire travail là que c'est vous mettez institutionnellement. Bon, pas bon. Le défaillance anthropologique dans le pays et
et institution par institution, si nous pas essayer ou ça au niveau anthropologique ou pas de problème. Malon ministère, il est réellement que je sache. Et vraiment que mes souvenirs pendant que je suis président Malon ministère, et une seule fois, dans le ministère agriculture. Le fait que mon nouveau ministre était monté et que le président a gagné une velléité pour que l'État membre ministère pour le résultat de domaine agricole qui sont des domaines qui fait cher à lui. Pour que ça m'oblige à aller, c'est pour le ministre là que il y a un ministre à toutes sortes de pressions. Il y a des gens qui disent manger le lundi, il y a des gens qui disent faire le cuisine, etc. Parce que le ministre a besoin de renouveler le personnel ministère pour présenter ces jeunes agronomes qui n'a pas fait rien, qu'il n'y a pas accès, donc c'est de jeunes cadres qui sont étudiés à l'étranger et pour gagner des nègres qui gagnent 80 l'année mais qui décident de passer à la retraite. Donc, moi, aller dans le ministère, je me rends compte que ce n'est pas seulement des cadres, en fait, on est gagné dans le cas produit. Mais pour mon chauffeur, par exemple, il y a 70 ans. Donc, lorsqu'il y a une situation comme ça, tout le monde a supposé trouver le normal pour qu'on renforce l'institutionnel, pour au moins renouveler les personnels-là, pour garder pour eux qui est faible dans l'institution, qui fait que le bac à l'éducation, qui est bien, il faut qu'on renforce. Nous connaissons que mon nom préféré est pour Olivier Campé, pour aussi que c'est le palais national qui est notre entraîneur, etc. C'est pas que la excuse, marché, c'est la président, mais c'est pour nous dire que nous avons un problème anthropologique, ça qui est grave, et si nous pensons que c'est l'affaire d'un président, c'est pas l'affaire de toute la société, c'est pas l'affaire de tout le monde, l'affaire pour soutenir, n'a pas mis un président, et bien après, n'a pas pas compétent, et bien après, changer de maison, n'a pas compétent, et puis le temps passe, nous grand monde, et bien nous observer l'histoire de 20-30 dernières années, ainsi de suite. Donc moi, je pense que je veux dire, il faut que nous prenions conscience globale qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette société. Et le policier a décidé de quitter Périos là, et là, pas pensé que c'était Léon Charles qui était Périos là. Et pas pensé tout, et chef qui nécessairement au courant, non? Mais c'est chef. Oui, mais dans la chaîne, il faut qu'il y ait supervision, il faut qu'il y ait pas tout qui passe, qui tient, qui vérifie si vous là. On est d'accord, il faut qu'il y ait une supervision. Mais il y a des dysfonctionnements institutionnels et administratifs graves qui liés en fait à des problèmes anthropologiques profonds. Et il faut qu'on. Et c'est pour moi qu'il y a une prise de jeu du jour au lendemain. Pour nous prendre conscience de lui, pour à travers nos institutions qui forment. Oui, mais par exemple, gardez la justice là. Gardez le président Mouri, la justice a été bancale parce que les nominations pour être faites qui n'ont pas de fait. Même si d'abord pour être capable de jouer un remplacement à Jovenel Moïse de manière institutionnelle, il n'est pas capable parce que l'institution n'a pas existé. Et il est valable pour la justice là. Monsieur a une difficulté pour jouer une justice lui-même parce que l'appareil là est écrasé, justement. Il n'y a pas de travail pour te renforcer l'appareil là. Mais Valérie lui-même. Et pour dire la guerre, il faut un coup d'État et si vous avez juste à défonctionner comme par enchantement. C'est pour nous dire que bon niveau de politisation des institutions, nous venons au niveau côté que nous n'avons pas gagné confiance ni hauteur de responsabilité que nous avons des vassalisés tout le bagage. Et nous avons besoin d'un juge pour bailler, pour libérer Tiboyo, mais pas un juge qui pour juger l'instruction, qui pour conduire enquête sur la mort en président de la République. Pourquoi pas du gouvernement, ils ont pas juge d'un président de la République. Donc ça allait au-delà du fonctionnement effectivement qui gagne dans l'institution. Le fonctionnement pas idate et je dis, le fonctionnement. Oui, mais Renal Lewis, attends. Gendé Moun, écoute, je ne vais pas faire réclame pour personne, mais vous pensez que l'époque plus cher Joseph. T'es inspecteur général la police, vous pensez que n'a qui quitté Téhéros, t'as quitté Téhéros? Pas bon. Non, moi, je m'a voulu parce que je fais expérience, ça veut dire que je suis là dans la période ça. Vous comprenez? Mais ça se passe, c'est vrai que parfois, il y a un peu de changement qui est lié avec mon personnalité, avec mon monde. Mais il faut qu'on ait tout. Oui, mais vous avez travail là tout. Parce que tant de travail inspection, il faut le faire. Parce que si vous avez qu'on est plus tard, on parle qui t'a passé, qui t'a passé, tiré pour flasher, pour dire, ok, tout bien, faut monsieur, ok, d'accord, qu'est-ce que là. Et puis pour aller, il va faire, mais il a arrêté là, il fait 6 mois là, il n'a pas jamais vu nos patrouilles qui passent. Mais il dit, monsieur, pas gagné, capable de monsieur, et puis il dit, là, le domi, pour suivre le refondé tout près, et puis d'aller, et aussi simple ça. Non, mais tout le monde est obligé d'avoir, et Valérie, mais il faut qu'il travaille inspection en fait. Que va faire maintenant qu'on y a regardé pour l'enchaînement pour qui ça travaille l'inspection va faire. Mais c'est sûr, personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire qu'il ne faut pas justement que l'inspection générale fasse son travail. Mais malheureusement, il va faire qu'on y a maintenant seulement des dysfonctionnements que le droit parle dans nos comptes, ce sont des dysfonctionnements de l'anthropologie. Bon, c'est le juge par exemple. Le juge Mouret, pour ne pas le nommer par exemple. Next, la société qu'on est que son juge correct, la société, hein? Mais. Le président n'a jamais signé pour lui. Bon, il y a plusieurs autres juges qui n'ont jamais signé pour lui. Jusqu'à ce que le président mourit, jusqu'à ce que pas qu'il regardez les démarches qui fait pour rejoindre un juge d'instruction pour mettre ce dossier Jovenel Moïse lui-même. Tout le monde peut, tout le monde a pris à l'école parce que pas une garantie, pas une ceci. Parce que l'État crase, monsieur nous crase l'État. Qui n'a pas eu de nous-mêmes, c'est nous qui avons le pouvoir. Même dis-nous, ça veut dire que comment tout le monde est dans l'État.
pas seulement dans l'État, mon qui acteur, non pas que l'acteur dans la société civile là, qui ou bien dans le monde professionnel là, qui contribue en fait dans la désarticulation et l'État. C'est un bon consensus. Alors, je suis d'accord avec vous sur le constat que l'État a fait, mais bon consensus en fait. Déjà, mon économie a dit les besoins de faire ou un problème de transition. Bon consensus que largement large dans la société là, pour et désarticuler l'État. Quand dernièrement, et m'a regardé, moi, il y a des gens qui font nommer, pas nommer, qui sont SPJ, etc. Et puis, nous disons, bon, il faut que l'État ait écrit pour demander et le président soit intervenu. Mais là, il y a des membres, en fait, des juges et très honorables d'une institution aussi prestigieuse qui est le SPJ, qui décidait une composition et politique partisane à la faveur d'un tentative de coup d'État pour justifier, en fait, légitimement le tentative de coup d'État qui donnait mandat à président Fini. Ok. À ce moment-là, même pour les groupes, vous n'êtes pas président encore. Même institution, ça a 5 mois plus tard, besoin d'un président pour capable de renouveler membre, pour comprendre tout ce que vous avez, pour écrire mon destin. Donc, c'est simplement que le problème n'est plus large que juste et en question de président, pas président, en question de qui est-ce qui est sous pouvoir, je veux dire, qu'est-ce qui est sous pouvoir, je veux dire, faut que nous, et prenons ça, nous, pour regarder, nous, chaque qui impacte dans la fait action, nous, gain, sous et fonctionnement et fonctionnement d'État. Ok. Un petit peu de l'argent et Renal Lubéris. Et il y a un pile parole, et par exemple, moi-même, je répète exactement ça que il y a des gens qui ont même impliqué dans l'enquête là. L'homme dit impliqué, mais pas de monde qui fait témoignage, des gens qui fait déposition, par exemple. On a regardé gagner un Colombien, et il y a même parlé de ça, et on quantité quoi, Buren Souli, et monsieur, alors bon nom, monsieur, si vous voulez, monsieur Le Duberné, et Capadol Girardo, et monsieur de Gongile Pabal Souli, on joue il était gagné 100 billets de. $200, ça fait $10,000 américains. En Angilea, il y a 32 billets $200, ça fait $3,200. Il y a 199 billets $200, ça fait $19,950 l'autre bagaille. Il y a une manchette, patati patata. Et c'est le cas d'un paquet l'autre. Sans compter de l'autre monde qui a même été expliqué que mon cher était venu nous quantité l'argent et qui a parlé de valises. Qui dit qu'il y a qui te prend plusieurs valises, la caille président, etc. Dans le témoignage que vous faites. Et maintenant, mon sa yo, yo dit yote prend l'argent sou yo et pour yote capable de sauver pour yo, et dans plusieurs zones côté yote yé, et yote peur et violence et patati patata. Bon, maintenant, ou même, et qui sont gagné comme explication et à ça? Est-ce que c'est parce que le président pas de jam et enfin, t'es fait un pile tel pas de descendre dans le palais qui fait que le président est obligé de gagner une quantité de cash la Kaili? Bon, il y a deux dimensions et une question. C'est que dans le cadre d'enquête, sous gagné et des mounes qui fait et des témoignages, même si on a accusé des mounes ou bien on a soit évoqué des faits, contre les comme des faits, c'est l'instruction et l'enquête qui a déterminé qui n'a pas niveau de mounes, ça a eu dit à tous les gens en difficulté, qui n'a pas besoin, etc. Mais qui n'a pas eu dit à l'Algérie, à ce niveau, et ça a eu dit à ses alliés, exactement. Par exemple, on peut imaginer que monsieur gagne l'agence sur YouTube, dans la condition d'accès, il était payé, il a occupé pour le chapitre, c'est un problème. Donc on est qui va déplacer par l'ambition, généralement, il y a comme souris au cas où il y a la malpasse. Maintenant, nous avons fait constat, c'est qui l'agent qui a verbalisé. Parce que c'est l'agent qui a été. Et donc, nous avons fait l'agent qui a verbalisé, avec le constat et le juge de qui a l'idée, il a été joint, et nous avons fait généralement, effectivement, c'est l'agent, nous avons compris que monsieur est capable. Maintenant, pour nous parler avec certitude de ça, il y a deux possibilités. Sortir ensemble avec l'assassin, c'est-à-dire là, et effectivement, on a constaté ou même, ou bien, ou faire ça vraiment bon appel là, on a essayé et analysé à partir d'informations que l'assassin a eu. Mais l'information à certains pays et tout, nous ne pouvons pas prendre pour agent comptant. Nous obligés de prendre. Ça, oui, 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 ça c'est certain. Ça, c'est certain. Et moi-même, moi, chaque fois que j'ai une information et que c'est des gens qui ont arrêté, qui ont arrêté, je dis attention, attention, l'aveu n'est pas synonyme de vérité. Absolument. Parce que mon gars va décider, bon, il a même décidé de citer non mon levlet tout, et très certainement. Sauf que, ou pas capable, pas tenu compte de déclaration là. Comprenez-vous? C'est-à-dire qu'on est obligé de tenir compte de déclaration là. Par exemple, et mon qui te dit que, gars qui dit que, gars qui était allé avec plusieurs sacs, et bien que pas dit qu'il s'est quitté là-dedans, gars qui laissait comprendre que tu gagnes l'argent et là-dedans, etc. Bref, mais qu'on y a qui gens pour nous comprendre la question de l'argent? Question l'argent et pour comprendre c'est pour capable de statuer celui que l'on s'en fait. S'il pas fait, donc c'est vraiment on peut toujours spéculer à partir de ce que prétendent les assassins. Maintenant, et je ne sais pas si ça va nous conduire très loin. Et maintenant, que président Saka gagne un peu l'argent la Cali, je pense que même avec Valérie Dumas, certainement qu'on peut l'argent la Cali, même avec tous les citoyens qui ont fait l'argent la Cali. Maintenant, qui quantité l'argent président Saka gagne la Cali, bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Et qui mal qui gagne pour Valérie Dumas et $11,000 la Cali, la travail, ils sont entrepreneurs, etc. Bon, aucun. Et maintenant, si le président a gagné l'argent la Cali, j'aime dire là, c'est confirmer ça et qu'on connaît que l'argent a passé d'ailleurs.
Donc, il me pense que il n'est pas productif. Parce que quand on a utilisé ça, au moment où on a utilisé les boîtes informatiques, comme on connaît, etc., il y a un enquête là d'avancer, mais qui fait, etc. Mais quand on a utilisé ça, en fait, c'est pour continuer pour ceux qui assassinent le président, il a commencé depuis bien longtemps. Parce que le président va assassiner à partir du jour où il est entré, il est retiré sous l'IA, il est retiré sous l'IA. Il a commencé à créer les conditions, il a commencé à assassiner le caractère président pour montrer que c'est plus mauvais monde qui gagne, pour justifier que je vais assassiner le président, pour tout le monde trouver que M. Ténérité. Et le processus à passer à la présidente, il commençait au moins 7 ans plus tôt. Et écoutez que, et bon, c'est le monde qui pensait qu'on est pour Jovenel Moïse, pas gagné qualité sociale. Et il n'est pas gagné origine sociale adéquate pour le président d'Haïti. Et ma maman, on s'est allé, Jovenel Moïse, on m'a rencontré, et non, on voyage d'organisé pour le président Matéli en Allemagne. Et puis, il était mon équipe et homme d'affaires. C'est mon cher son histoire qui est vraiment édifiant, mais en même temps, tout bon, c'est anecdotique. Je me demande pour inviter des hommes d'affaires. Moi-même, je ne parle pas d'institution, je ne parle pas d'institutionnel. Donc, je mets une chambre de commerce pour me dire que le président doit aller en Allemagne dans le cadre des promotions des hôtels pour investissement dans le pays. Il a souhaité gagner une délégation d'hommes d'affaires dans le voyage-là. Et puis, une chambre de commerce et répondre. Je fais mon proposition de liste d'hommes d'affaires qui souhaitaient pour y participer. Quand il y a une liste là, bon conseiller qui est pour dire que je dis à passer un paquet de blanc, c'est le moment dans la délégation. Il dit, mais c'est pas mettre blanc dans la délégation, mais c'est chambre commerce, il y a monde de bon moment, et par contre, tout le monde est donc si on va pas haïtien, c'est que nous avons une activité économique effectivement dans le pays, parce que c'est des gens nous connaissons. Donc, on ne va pas attirer l'attention, mais c'est que c'est monde sale. Et puis, on dit, non, il faut qu'on mette deux, trois monde, et monde noir, mon classe moyenne, etc. Faut mélanger l'être là. Je dis, bon, je ne connais pas, et c'est bon, mon nom là, qui est coordonné. Je dis, non, mais Daniel Saint-Laurent doit gagner coordonné, lui, écrit-moi des choses. Bon, je ne connais pas ceci, Daniel. Bon, même pour le monde qui va me coordonner, et puis, je me contacte monsieur. Il faut une soirée, donc je vous contacte monsieur, et puis monsieur participe, et puis voilà. Ok. On est à Bamdo. Est-ce que après, le journal Moïse a quitté le pouvoir, est-ce que vous confirmez que le second projet et Banque Agricole n'a pas le février? Non, il n'y a pas un projet de Banque Agricole l'a monté déjà, c'est BNDA. Ok. C'est dedans, et. Il a gagné ça comme idée, il pensait que c'est absolument nécessaire qu'il y ait des banques dans le pays qui a prêté Valérie Numa en fonction de qualité projet, qui a prêté le bon zéro nom que mon université n'a rien à voir, ça n'a pas à voir avec mon personnel, qui a prêté M. Brandt en fonction de qualité projet, mais qui n'a pas prêté M. Brandt en fonction de l'origine sociale, mais Valérie Numa en fonction de l'origine sociale. Donc, le président, c'est des banques en fait, qui a fait économie tout le monde. Il pensait que le pays ne va pas développer si nous ne développons pas les régions. Le pays ne va pas développer si nous concentrons sur l'économie dans notre présence, c'est l'économie de l'Europe qui va permettre de créer une richesse dans le pays et qui est exclusiviste. Donc, après, si le monde et qui est décidé et qui nous a prêté en fonction des projets, en fonction de qui est-ce qui a allé avec le projet, est-ce que vous connaissez la réalité quand le monde a besoin de bien rappeler, il peut parler de ça. Donc, le président voulait que cette situation change et il était prêt. Et en tant que citoyen, en tant que président, pour qu'il y ait une sensibilisation qui est autour de ça. Et il pense que si c'est l'État qui fait banque là, et bien, il n'y a pas le Allemand, la CAI, etc., il n'y a pas le contrôle banque là, il fait le tourner même avec le banque privé, pas pour n'importe mon agent. Et bien, il était besoin que ce sont des entrepreneurs, par exemple, soit aller dans le sud, ou bien aller comme entrepreneur, qui d'a occupé le thème, ou bien deux fois l'autre, on est comme dit nous dans le sud, et on est Gabriel Fortuné, on dit ça comme ça, comme on est dans le sud, et qui Bruxelles, et bien, vous mettez tête ensemble pour banque, et banque ça, après des mounes, en fonction des critères objectifs, en fonction de qualité projet, en fonction des capacités mondiales pour rembourser tout le monde, et non en fonction de l'origine sociale, ou bien origine ethnique. C'était ça l'idée. Ok. Monsieur Dabal, pour une part active dans une structure comme ça? Mais même pas les mêmes personnels. Le président, sont les gens qui mettent mon ensemble. Même si on fait pour faire remettre les paysans ensemble pour faire des projets. Le président, c'est besoin, par exemple, de mettre nos produits ensemble pour accomplir pour le président, il met mon ensemble. Il met ça dans la tête pour nous arriver à développer l'économie. Ok. Est-ce que vous avez des bagages qui dit sur les réseaux sociaux et bon. Évidemment, comme avec vous là, on peut mettre qu'on évacue lui. Il y a des gens qui parlent de Madame Renal Luberus qui part en Haïti, qui était intercepté, ou bien qui était manqué intercepté. Ma répété ça me dit que moi, et avec une quantité d'argent cash qui a traversé frontières, etc. Et qui sont répondre à ça? Bon,
Bon, c'est malheureux que nous avons obligé d'évoquer ça nous en radio. Non, alors comment parler avec vous? Non, comment parler avec vous? Et puis il n'a pas eu de l'argent, il me dit, bon, regardez ça. C'est ça, c'est filé depuis 2 ans. Ok. Pour des raisons spécifiques, nous changer d'appel et nous l'avons. Ah, d'accord, ok. Ma pour qui est-ce qui est intérêt dans ça, ma pour qui est-ce qui est intérêt dans ça. Bon, on va tout mettre ça. Ok, qu'on y a, on va faire avec politique là, lui-même. Et autant depuis la proposition qu'a faite, la discussion qu'a faite, d'abord, répondre très court. Qui ça fait d'après vous-même, démarche qu'a essayé faite pour remplacer Jovenel Moïse dans le palais national là, en tente là, pour occasion. D'abord, qui ça fait en tente ça pour occasion? Bon, et parce que à la base, et la question, c'est que c'est des gens qui disent peuple là, et depuis Jovenel Moïse pas là, et tout le problème est à résoudre, il y a mis tête ensemble, mais le dénominateur commun qui mettait tout ensemble, c'est Jovenel Moïse. Les Jovenel Moïse pas là, ils sont pas ensemble, oui, chacun a essayé de défendre l'intérêt personnel Bali, ou bien l'intérêt personnel lié avec les liés avec l'IA. Je dis à la, et c'est triste pour Haïti. Je dis à au lieu de tout pays normal, on va aller comme ça passer, tout le monde a mis le cap derrière les élections pour qu'elle choisir l'élite qui peut déjà payer. Je dis à mon élite en fait qui ont haine viscérale et de l'élection, et cette haine viscérale c'est la haine de la masse, parce que seul élément qui est problématique en Haïti, c'est la masse. Parce que l'élection, il fait intervenir des gens qui va gagner des qualités que l'élite et Port-au-Prince notamment considéré qui est capable d'intervenir dans question pays. Donc c'est un moment côté que, au moins suivant des idées qui sont dans la Constitution, que tu as supposé organiser, peut-être 920 jours, 820 jours à trois petits, peut-être 200 jours, je ne sais pas, mais pour aller vers les élections, de sorte que deuxième lundi et mois de janvier, comme on parle dans fonctionnel, en février ou bien avant, bien après. Oui, mais en tout temps que nous gagnions. Un exécutif bicéphale que constitution impose nous et façon que nous-mêmes nous décider par exemple pour que nous nommions ambassadeur, pour que nous mettions directeur général, pour que donc président ont un ensemble de responsabilités dans l'intervalle qui s'est pas passé si nous pas mettons président même si c'est de manière extrêmement provisoire. Bon, dans l'intervalle constitution a des problèmes là déjà. Constitution est fait que l'attribution président exercée de manière collégiale lors d'une situation peut-être que son exécutif monocéphale ou bien. Donc on y a un exécutif monocéphale, donc ça veut dire en fait toutes les décisions ça est prendre, mais à travers le conseil des ministres, non le premier ministre, non un ministre tout seul, mais le conseil des ministres en fait. Et c'est déjà prévu dans la constitution. Ok, qui sont pensés de Ariel Henry qui dit que lui-même il a tout pouvoir là, il a quand même déclaré la guerre, il a fait ceci, il a fait cela. Pas question pour que il y ait un président provisoire, lui-même président qui en parler à sa réélection. Soit pensé d'une déclaration comme ça. Bon, et le Premier ministre a fait des déclarations que peut-être qu'il n'a pas mesuré toute portée des déclarations de sa qualité et en politique de communication, même qui est en communication, ça sa qualité qu'on a pu appeler son bagage, il s'appelle la première fois que Zaldia vient imposer un pire problème. Seule légitimité qui le Premier ministre a gagné, c'est lié avec son élection pour remplacer et pour mettre président et tout de suite. Effectivement, dans son sens, il a gagné raison, il a dit qu'il n'est pas bien président provisoire. Mais le Premier ministre a estimé qu'il est supposé aller au-delà du temps constitutionnel pour mettre pour le faire élection organisée et puis pour permettre qu'effectivement il gagne un président élu, un parlement élu. S'il besoin d'aller au-delà de ça, à ce moment-là, en fait, il n'a aucune légitimité pour le faire. Maintenant, il faut peut-être effectivement un exécutif bicéphale avec l'autre monde. Donc, il faut qu'on nous prenne ça pour nous agir dans quatre présents. Si on fait des élections tout de suite, à ce moment-là, oui, on n'a pas besoin d'un président provisoire. Si le Premier ministre estime qu'on ne peut pas faire les élections depuis qu'il lui faut un temps indéfini, à ce moment-là, il dit qu'il n'y a pas d'appel. Dans le moment où il y a une élection, pas d'appel, il y a tout le pouvoir et donc on a déclaré la guerre, on a fait ça. Le président de la République, issu du suffrage universel, est fraîchement installé, ne peut pas le faire. Donc je ne peux pas lutter pour un Premier ministre, en fait, qui est installé dans les conditions que l'on sait. Mm-hmm. Dernière question, Renan Leberi, c'est est-ce que, ou quoi, dans justice PIA, pour permettre que la République vienne justice suite à l'assassinat de Jovenel Moïse? Bon, il faut y croire, mais en même temps, tout est pas novatif. Bon, volonté, par exemple, c'est que, dans la même interview, vous savez, on savait là, que le Premier ministre, là, pour pas essayer de faire les deux questions en quête là. Donc, tout ça, pour ministre, peut-être pour encourager là, mais pas un page qui est directement là-dedans. Pour qu'on ne pas avoir l'impression qu'on a une volonté de politisation de l'enquête, qu'on a une volonté de destruction à la justice. Il faut évidemment nous prenons appui et nous avons mis la communauté internationale pour appuyer le système. Parce que nous ne posons pas de problème de système de justice là. Il faut que par exemple le ministère de justice primature assure que le juge d'instruction qui sous et dossier a gagné les conditions de sécurité, les conditions matérielles qui permettent qu'il travaille en toute indépendance et permettre qu'il travaille en fait avec efficacité. Et pour cela, je pense que BILU et l'OTE OEA et puis l'OTE bilatéral, il faut qu'il y ait bah non, on support parce que sinon, il y a une puissance effectivement que l'enquête là Est-ce que jusqu'à présent, vous sentez confortable comme secrétaire général français des ministres ou bien est-ce que ça passe dans ta tête pour démissionner, non?
à longtemps, et si ça, c'était seulement moi-même qui était dans le bateau pour moi, le conseil de démissionner longtemps, moi c'est ça avant, mais il y a un paquet d'amis qui disent que, et si un coup d'état a fait en plusieurs temps, et on n'a pas bailli des pièces prétextes pour que le coup d'état mette en place plus vite, on quitte eux-mêmes d'aller dans au bout de l'état, je ne peux pas démissionner. D'ailleurs, même le président me proposé démission à un moment donné, le président me dit, nous n'avons pas la coup de job, nous vînes pour nous, nous vînes faire ensemble, nous vînes ensemble. Et à partir de l'assassinat du président, je pense que forcément, c'est mon rôle est important, mais on fonctionne en équipe. Donc, parfois, bon, vous faites seulement, vous ne pouvez pas considérer l'autre monde qui, à la vôtre, dit ne fais pas ça, si tu fais ça, et les conséquences seront. Mais sauf que l'on pense politique comme ça, c'est la dernière décision revient à l'intéressé. Tout à fait. Mais sincèrement, je n'y sais pas du tout. Maintenant, si je ne fais pas la voile à la rien, du temps, il y a une équipe, parce que c'est dans des manches de l'église, et c'est ça, nous quittons ça. Et si je décide, c'est une décision pour moi, mais je ne suis pas sûr que les produits que je dis là, parce que j'ai une relation. Assassiner un président, on ne va pas apprendre comment faire isoler, assassiner le président, au fini. Si assassiner le président, il prend pouvoir. Or, en pile, mon âge, à ce ou à juste titre, parce que nous avons constitué un gémant de blocage. Et ça fait, il y a des nègres, après les, c'est que mon chef, il ne va pas se poser là encore, parce que effectivement, à juste titre, il va constituer son élément de blocage. C'est juste que je vais contaminer, donc peut-être que nous, juste là-haut, on voulait le marquer ou même pour prendre une décision, et pour montrer effectivement que c'était un coup d'État à plusieurs. On me défend de tout ça, mais c'est un coup d'État à plusieurs, à deux temps. Donc, premier temps, c'est assassinat président, deuxième temps, c'est un subterfuge pour faire assaut sur le palais. Merci infiniment, Renal Lubéris, un plaisir de vous.